Bonjour, nous sommes à Alban, dans le Tarn, où nous venons d'assister à la belle victoire 21-20 du Somme face au canton d'Alban. Avec moi, j'ai Baptiste Majorel, l'entraîneur, et Evan Perrault, le capitaine. On a pris un peu de temps pour se changer et ranger le matos parce qu'il pleut. Evan, une victoire dans les 10 dernières minutes, où il a fallu lutter face à ces très vaillants Albanais, mais on a senti un peu plus d'expérience et de maîtrise, ce qui va permis de prendre le score sur la fin et de le conserver surtout. Ouais, ben là c'est vrai qu'on s'est fait peur déjà la semaine dernière, on aime bien se mettre à mal et courir un petit peu après le score à la fin du match. Et là ça nous a souri, on a réussi à mettre la main sur le ballon, à jouer plus simple, on s'est peut-être un peu emballé en première mi-temps, à mettre notre jeu en place et à avancer petit à petit pour marquer. Ouais. On a vu hein, les Albanais qui avaient attaqué tout feu tout flamme avec un essai assez rapide, puis la botte au pied de Gauthier Escalais vous avait permis de recoller au score, mais ils avaient quand même un peu d'avance à la mi-temps, et même ils ont mené même jusqu'à 20-9. Et là vous êtes recentré un peu sur le jeu d'avant, les ballons portés, cet essai là qui vous permet de repasser devant et de l'emporter. Baptiste, toi là maintenant on est bien ancré dans les 4 premières places. Le prochain objectif c'est d'y rester, d'aller chercher la qualif. Oui, tout à fait. Après, l'objectif, on se le fixe toujours à chaque match. Après, on voulait enchaîner après la déception de Palavas, où on n'a pas fait un mauvais match non plus, pour rejouer le plus vite possible et se remettre sur une dynamique de victoire. Donc, c'est ce que les garçons ont réussi à faire, bien mené par Even sur l'ensemble du match. Excuse-moi. Non, après, on savait qu'ici, ça allait être difficile. Et ils nous ont proposé beaucoup de jeux, ils nous ont privé du ballon. On n'a pas réussi à sortir de notre camp correctement. Sur les lancements de jeu, on a été contrés pour lancer, pour garder la main sur le ballon. Donc voilà, on gagne en toute humilité parce que ça aurait pu aussi tourner en leur faveur, ça tourne en la nôtre parce que encore une fois, on a un groupe de copains qui s'apprécient, qui se donnent les uns pour les autres et ça s'est vu sur le match. On a vu quand tu as permuté avec Gauthier que ça venait un peu plus d'incertitude et ça avait peut-être fait basculer le match. Surtout une fois que vous avez marqué, ils ont 2-3 occasions dans votre camp, mais on sent un peu de précipitation, un manque de maîtrise comparé à vous qui au contraire, une fois que vous avez pris le score après, vous êtes allé chez eux, vous avez bien fait classique et vous avez tenu le score jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, on a la chance avec Gauthier de pouvoir permuter 10-15 un petit peu en fonction du match, en fonction de la défense. Donc c'est sûr que ça c'est plutôt positif, je pense que toutes les équipes n'ont pas ça. Et après, ouais, on a réussi à mieux gérer nos sorties de camp, on a réussi à mieux gérer nos temps faibles. Après, on est quand même face à une équipe qui commence à se faire une réputation en Fédéral 2. C'était quand même costaud, en première mi-temps ils sont bien gérés. Ça s'est joué pas à grand chose, donc ça a tourné en notre faveur, tant mieux. En tout cas, on a vu une belle victoire, donc 21-20 du Somme, Baptiste et Ewen. Ah, tu vois, bon, non, mais la bon, feuille que j'arrive jusqu'au bout. On y arrive. Et puis, tu m'as dit que c'était bon. Donc ici, au canton Alban, on se retrouve mardi pour les débriefs. Merci beaucoup, messieurs, merci. Est-ce qu'on peut rajouter un petit... Vas-y, un petit mot, dernier petit mot. Pour te montrer que le groupe vit bien. Voilà, là, prochain match, on pourra retrouver à Mio et commander un culandrier, donc un calendrier de cul. Avec des spécimens comme peau de bébé qui nous regardent. Donc voilà, on a des beaux spécimens, on a essayé de les mettre en valeur. Donc n'hésitez pas. Tu nous envoies le lien, on les mettra en vente si tu veux. Que des culs, des beaux culs. Merci beaucoup, au revoir.